Bon matin, chers amis, des 2-3-5 heures de Jésus-Christ et de Marie, l'Immaculée Conception. En ce quatrième jour de cette neuvaine de consécration au cœur triomphant de Marie, je vous offre cet extrait d'un chant que le Père m'a enseigné, qui s'intitule « Abba ». Sur ce, bonne écoute et je vous souhaite la guérison dans les profondeurs de votre âme. Consécration au cœur triomphant de Marie. Prière de consécration au cœur triomphant de Marie. Je me soumets à ton véritable cœur, ma très honorée mère. Tu combats l'ennemi et tu le vainques par ton cœur triomphant. Ton cœur est rempli d'une espérance neuve, semblable à une nouvelle arche de Noé, mais triomphante. Marie, ton cœur m'est comme une arche d'alliance qui descend de la Cité Sainte et qui impose sa royauté spirituelle sur ses fils et filles d'adoption. Je me soumets à toi, au cœur immaculé de Marie. Tu m'environnes de ta bonté et tu m'abreuves de l'eau vive du Seigneur. Tu es ma forteresse, ô Reine de tous les saints, toi qui soumets des peuples à ton Fils par pur désir de lui plaire. Tu lui consacres toi-même nos âmes, tu attends notre oui et tu ne cesses de nous inviter à répondre à ton appel. Ensemble, nous disons oui à ton cœur immaculé et glorieux, car tu es monté en corps et en âme auprès de ton divin Fils. Les décrets divins sont tels que nous jouissons déjà du bonheur de posséder Dieu, ayant pour mère Marie qui nous défend avec son pied droit de l'ennemi. Oui, Marie, tu lui écrases la tête et il ne peut qu'aller à ton talon. Marie, avec l'aide du prince de la milice céleste, tu le précipites en cet instant au fond de l'enfer. Il est terrassé à ta vue. Montre-lui tes joyaux divins et revêts-en tes fils et tes filles d'adoption que nous sommes. Amen, Alléluia. Que règne ton cœur immaculé sur nous par le pouvoir même que tu as reçu du Père. Que toute gloire et tout honneur soient rendus à Dieu seul, lui qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.